Bonjour à tous, toutes. Je viens de réaliser qu'on était deux hommes, mais c'est normal. L'expérience montre que je m'entends mieux avec les femmes. J'ai intitulé cette magnifique présentation écrite depuis des années, c'est-à-dire hier soir, YouTube for Business. Donc je m'appelle Emmanuel Delors, j'ai inventé la TVA, c'est moi qui vous prends 20% à chaque fois que vous achetez un truc. Et en plus, je vais monter ma boîte pour moi, payer moins 20% tout ce que j'achète. Donc je suis envoyé du futur pour qu'il arrive plus vite. Et je vous assure que Elon Musk et Steve Jobs sont juste des petits rigolos à côté de ce que je vis actuellement. Et ne me croyez pas, juste suivez-moi. Et parce que YouTube et le blog est une histoire de couple, venez à deux. Et si votre plus un ne rentre pas dans l'aventure, il y a un moment, incessamment sous peu, et vous le savez déjà, et vous le voyez déjà, ça va bloquer. Croyez-moi, YouTube, le blogging, le web marketing et monter sa boîte, c'est une histoire pour même pas le couple, j'ai envie de dire, c'est pour le foyer. C'est pareil pour vos enfants. Donc, en une minute, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? J'ai fait des vidéos sur les cartes bleues parce que c'est ma passion. On fait un peu de vlogging avec des mini-caméras que je vous présenterai tout à l'heure. J'ai fait un petit voyage au Japon. J'ai fait des tutos tech divers et variés, grand public ou pas grand public du tout. J'ai fait des lives jusqu'à 7 personnes en même temps. Ne faites jamais ça, c'est horrible. Je suis monté sur scène pour parler en anglais, je suis nul en anglais. J'ai filmé des trucs dans des lieux absolument de ouf. J'ai interviewé des politiques du plus haut niveau. Le prochain, c'est les ministres. J'ai interviewé des entrepreneurs qui gagnent des millions. J'ai interviewé des blogueurs célèbres qui viennent fêter leurs 15 ans de blog. J'ai fait des trucs de fou au Japon qui arrivent dans le monde professionnel. J'ai fait des tutoriels pour des chaînes qui gagnent des millions, donc pas que pour ma chaîne YouTube. Et j'ai rencontré des gens que je pensais, même quand ils me répondaient sur Twitter avant, ça me faisait quelque chose. Je les ai vus en vrai et j'ai mangé avec eux et j'ai fait des interviews en un an. Wow. Bravo. Si je fais un petit bilan, donc moi je suis... Actuellement, en tout cas, sur le papier, en tout cas, j'ai encore une fiche de paye un petit peu ingénieur informatique au CNRS. Le plus, ça veut pas dire que ça veut dire d'une part que je fais plein d'autres choses et ça veut dire merci, au revoir en même temps. On vient de dépasser les 10 400 abonnés. C'est beaucoup et pas beaucoup. C'est peut-être beaucoup à l'étape où vous en êtes. C'est pas beaucoup dans une thématique technique. Parce que si je vais m'acheter le dernier iPhone à la mode et que je le déballe en me filmant avec un smartphone et en étant un peu péchu et en vous montrant ce qu'il y a dans la boîte avec les câbles, je pourrais déjà avoir 5, 6, 7, 8 fois plus d'abonnés que ça. Sauf que moi, mon chiffre d'affaires est toujours au-dessus de mon nombre d'abonnés. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les adolescents qui aient une chaîne à 10 000, 30 000, 50 000 abonnés. Là, je peux vendre 2000 euros la journée quand je vais filmer. Et j'ai que 10 000 abonnés. Et ce qui est plus que mon salaire mensuel CNRS d'ingénieur. Avec 10 ans d'expérience. Crypto Live, c'est le nom de mon émission en live. On en a fait 60, donc j'ai 60 heures de live sur YouTube. On commence à faire du coup des événements avec des vrais gens, parce que j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie et que j'ai des petits problèmes de relations sociales. Donc on a fait un meet-up, comme on dit, donc une rencontre à abonnés, à plusieurs YouTubeurs, parce que j'ai peur quand je suis tout seul. Donc j'ai fait venir plein d'autres YouTubeurs de ma thématique. Moi, j'ai une thématique bizarre hein, sur YouTube, j'y reviendrai brièvement derrière, qui n'intéresse pour l'instant pas grand monde, mais quand elle intéressera tout le monde, l'avantage, c'est que j'aurai beaucoup de sous. Voilà, mais sinon, je fais aussi de la technique grand public, mais grand public quand même, accroche-toi. Donc plutôt, je ne fais pas quel est le test de l'ordinateur portable modèle YZ12B2, parce que je m'en fous. Je fais la vidéo « Comment choisir ton ordinateur portable ?» Parce que Olivier Roland, pour ceux qui le suivent, vous a expliqué que l'intemporel, c'est bien. Si tu t'embêtes à tourner une vidéo, monter une vidéo, faire un article de blog, pour que dans deux semaines, ton article de blog, tout le monde s'en foute, parce que le produit, il est sorti, tout le monde cherche ton article de blog ou ta vidéo, et au bout de deux semaines, tout le monde s'en fout, et toi, tu as pourri ton week-end, tu as rédigé ton article, tu as fait ta vidéo, elle a fait une pointe de vue, elle a fait un beau lancement, tu as fait 1000 vues, tu es heureux, mais dans deux semaines, plus personne va chercher ta vidéo, plus personne va chercher ton article de blog, tu travailles pour rien. Donc ça, c'est très important et je reviendrai dessus sur l'intemporel, le evergreen, comme on dit, toujours vert, ton article soit toujours vert, c'est valable pour la vidéo aussi. Et c'est loin d'être un détail. Et rien que le fait que vous sachiez ça, vous donne un avantage concurrentiel sur le monde entier. Parce que les ados ne savent pas ça.
Moi, je coach des ados en YouTube. L'ado sur YouTube, il fait oh, le nouvel iPhone vient de sortir, il faut que je trade, il faut que je fasse la vidéo dessus. J'ai même pas le produit, je vais faire des... ils font des slides sur le produit en plus. Il y a trop de monde maintenant sur YouTube et sur le net pour ne pas faire la niche. Et des fois, juste trouver sa niche, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est juste vous êtes une femme ou vous êtes en couple. Vous prenez un même sujet d'un mec qui a 2 millions d'abos, vous le faites en couple, vous faites la même chose avec votre petite graine de folie, votre petite graine d'originalité, vous allez le défoncer, le mec en place. Parce que rien que le fait que vous le fassiez avec votre femme va vous apporter tout public féminin de cette thématique qui ne se reconnaissait pas dans cette personne-là. 5,6 millions de minutes. Ouais, sur YouTube, on parle en minutes, comme ça, ça fait des plus gros chiffres. Hein. C'est comme avec les centimes. Donc, j'ai parlé 10,6 années, 24 heures sur 24 sur YouTube. Là, ça fait 10 minutes, vous n'en pouvez plus imaginer. Et 40 312 commentaires, en bien ou en mal. Hein. Et gérer le mal sur YouTube, c'est pas un détail, hein. Surtout pour les hypersensibles. Surtout pour les mecs qui, la première chose qu'ils font le matin, c'est enlever le mode avion et traiter 1000 notifs et qui veulent répondre à toutes, en bien ou en mal. Surtout en mal, parce que j'aime bien, ça me détend le matin, avec mon café noir. Donc ce qui m'effraie, c'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Parce que les méchants, il n'y a pas de problème sur mes thématiques techniques, je les encaisse. L'indifférence des bons, j'ai plus de mal. Heureusement, ils commencent à me repérer. Pourquoi utiliser la vidéo pour votre business ? Parce que ben, une minute de vidéo est égale à 1,8 million de mots d'après une étude que personne ne lira en PDF de 72 pages. Donc, croyez-moi sur parole parce que ça m'arrange. En 2018, sur Internet, voilà ce qui se passe en une minute. Vous avez 3,7 millions de recherches sur Google, pas mal, mais vous avez 4,3 millions de vidéos vues. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas pour les ados. Moi, je vois la différence, je le vois au repas de famille. C'est que même au repas de famille, vous commencez à poser une question où personne n'a la réponse. Avant, on sortait Google, maintenant, on sort YouTube. Vous voulez réparer un truc pour la bagnole, vous allez sur YouTube. Vous voulez acheter un nouveau téléphone, vous allez voir sur YouTube un mec qui vous en parle. Parce que la voix aime bien, parce que vous identifiez à cette personne, parce qu'elle a votre âge, parce qu'elle a votre sexe, parce qu'elle vous parle, parce qu'elle est fun, parce qu'elle est rigolote. Donc, alignez vos trucs, ne passez pas à côté de la vidéo. Si vous prenez aujourd'hui sur un ordinateur et que vous tapez quelque chose, vous allez voir que Google va vous proposer déjà 3 vidéos si vous êtes sur un ordinateur, pas sur toutes les questions. Il y a beaucoup de choses que vous allez taper sur Google où Google va vous envoyer 3 réponses en vidéo. 1, 2, 3. Ce qui veut dire qu'il y a moins de place pour le texte. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui avant étaient en page 1 de Google qui maintenant sont en page 2. Ne passez pas à côté de la vidéo parce que si vous prenez votre téléphone mobile et que vous cherchez la même recherche sur Google, là, il n'y a pas 3 réponses en vidéo, il y en a déjà 4. Et sur un écran plus petit, ça veut dire qu'il faut aller encore plus bas pour avoir la réponse avec le texte. Ça veut dire qu'il y a encore plus de gens qui ne sont plus en page 1, mais qui sont passés en page 2. Alors la page 2 de Google, allez-y, c'est sympa. Hein. Il y a plein de choses avec des gens morts qui vendent rien et qui n'ont personne qui les lit. Mais ce n'est pas ce que je vous souhaite et ce n'est pas pour ça que vous avez ouvert un blog. Je vous rappelle que YouTube appartient à Google. Ils ont fait un petit chèque il y a longtemps. Donc, qui fait la pluie et le beau temps sur Internet ? Bah, c'est Google. On est content, on n'est pas content, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même Google. Premier moteur de recherche au monde. Deuxième moteur de recherche au monde, bah, YouTube. Et à votre avis, dans pas longtemps, quand Google va dire « Toi, tu as un super site web parce que tu fais des super articles et que tu fais du storytelling, mais tu fais pas de vidéos, je le sais. » Parce que déjà, Google sait tout de vous. Donc Google peut très bien savoir que ce site web-là, ma vie et les huiles essentielles. J'adore cet exemple, je sais. Leshuilesessentielles.fr, c'est trop génial. Et la chaîne Crée ton huile essentielle de menthe poivrée parce que ça soulage ton poignet de dactylographe. C'est la même personne. Pourquoi ? Parce que quand vous faites du YouTube, à la fin, vous pouvez proposer votre site web. Et vous êtes obligé de montrer qu'il vous appartient vraiment. Ce qui fait que Google est au courant que cette chaîne YouTube et ce site web sont la même personne. Les deux trucs sont à moi. Moi, ce que je veux, c'est répondre aux gens bien à l'écrit et bien en vidéo. Donc, je te pousse et je te mets plus favorablement en page 1. Et toi qui n'as pas de chaîne YouTube, je te mets plus favorablement en page 2.
Dommage. Alors je sais, oui, mais moi, je veux pas passer à l'image, je me supporte pas à l'écran, ma voix est horrible, je vais pas me regarder, blablabla. Demande à Marion Cotillard, je suis sûr, elle vous fait la même phrase il y a 20 ans. Quand elle jouait la petite amie dans Taxi, dans un rôle complètement pourri, qui l'attend sur son canapé, son mec qui avait le premier rôle, et aujourd'hui, elle fait le tapis rouge à Hollywood. Donc tout ça, ça se travaille. C'est qu'une croyance limitante qui se surpasse avec un peu d'humour, un peu de coaching, la bonne personne, la bonne caméra pas trop grosse au début pour pas t'impressionner, et puis un petit smartphone posé sur le truc, ça passe bien. Et puis si toi, le truc qui t'impressionne pas, c'est de faire un portrait comme ça quand tu parles dans tes toilettes, façon je critique la cuisine sur M6, ouais, le repas était génial, mais quand même, elle a grossi. Eh ben tu commences comme ça à la vidéo, c'est pas grave. Voilà. Et puis quand tes amis partent, tu prends ton téléphone et tu fais une story pour toi-même. Lui, qu'est-ce qu'il était horrible ce soir, gnagna. Et puis tu t'habitues à te voir dans un écran et au bout d'un moment, c'est pas toi que tu vas voir. Donc c'est pas grave. Moi, je me monte pendant des heures. Heureusement que c'est pas moi que je vois. Et parce que vous allez vous auto-souler, parce qu'au début, c'est vous qui allez faire le montage. Vous allez vous entendre, mais vous allez vous entendre plein de fois parce qu'il faut prendre le bon mot au bon endroit. Donc la phrase, je l'ai envoyée 15 fois. Mais moi aussi, je me suis auto-formé et moi aussi, j'ai passé 8 heures à produire 5 minutes qui faisaient 50 vues où même mes amis, ma famille, ma mère venaient même pas mettre le pouce bleu parce que t'écoutais, bon, on comprend rien à ce que tu dis, donc voilà. Le pouce bleu, on a bien compris où c'est. Le bouton s'abonner, mais attends, mais c'est payant YouTube, s'abonner, qu'est-ce que c'est que ce mot traduire? Ça veut dire que pour tous les quadraplus, vont penser que c'est payant. Le bouton s'abonner. Il faut imaginer que pour que ma mère s'abonne à ma chaîne YouTube, j'ai fait une télémaintenance et que c'est moi qui ai cliqué sur le bouton. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que bon, ma mère est quelqu'un qui, quand elle fait une signature électronique, elle prend son doigt sur un écran pas tactile et dessine. Donc c'est compliqué. Mais alors que c'était une case à cocher, quoi. Mais, donc c'est assez bloquant pour avoir un fils YouTuber qui a toujours 5, 10, 15 ans d'avance sur la future tendance toute sa vie. Ce qui est assez excluant si tu n'as pas mis en boîte que tu annonçais ce qui va se passer dans 5, 10, 15 ans. Donc je le mets en boîte actuellement pour qu'on me dise dans 5 ans, merde, il avait raison ce petit con. Et ça commence à porter ses fruits sur LinkedIn depuis hier soir. Donc, faites de la vidéo, ce n'est pas que pour les mômes. Encore une fois, regardez votre propre utilisation. Observez vos proches le dimanche midi. Le meilleur des feedbacks pour avoir des retours, c'est le bon repas de famille du dimanche midi. Avec le gigot et tout le monde qui raconte le dernier régime, les derniers travaux de la salle de bain, ma nouvelle bagnole, t'as vu, voilà, etc. Et au lieu d'investir sur eux, investissent dans des objets, des travaux et des machins parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur week-end. YouTube, 51% regardent YouTube donc aux dépens de la télévision. Regardez les mômes de 3-4 ans, ils regardent la télé. Non. Quand ils vont arriver à 18 ans, ils auront déjà 14 ans de YouTube. Regardez dans les restos ce qu'on fait avec les mômes pour s'y taise. On leur donne le téléphone de papa-maman, ils vont sur Netflix et sur YouTube. Vivre de YouTube sans être Norman, c'est possible. Moi, je l'entends même de YouTubeurs avec qui je fais des événements donc en Belgique il y a 2 semaines. Vous aimeriez en faire votre métier? Ah ben oui, mais moi, je suis pas Norman, j'ai pas 15 millions d'abonnés, et puis YouTube avec les vues, blablabla. Bla bla. Donc moi, YouTube hein, me verse entre 70 et 90 euros mensuels, avant impôt. Youpi, je suis ingénieur informatique, je mets des flyers dans les boîtes aux lettres, j'ai branché des imprimantes chez mes vieux de voisins. Je prends 50 balles de l'heure et je m'emmerde pas à monter le week-end pendant 5 heures. Oui, ok. Donc, si c'est pas votre passion et si vous ne voyez pas YouTube comme la vitrine mais pas le magasin, parce que moi je dis souvent ça, YouTube c'est une vitrine. Il faut qu'il y ait un magasin derrière, il faut qu'il y ait un but et il faut surtout qu'il y ait un cocon sémantique. C'est un concept, je pense que Mélodie reviendra dessus plus fort tout à l'heure avec son petit schéma en mind map. Non, mais vous n'êtes pas prêt pour ça. Mais non, mais il fait peur aussi. Bon, mais en tout cas, il faut avoir un petit cocon sémantique. Donc, on reviendra sur cette notion tout à l'heure. Mais le pourquoi je fais ma chaîne YouTube, pourquoi je fais mon blog, et vous avez intérêt à avoir le même pourquoi au-dessus des deux. Le pourquoi j'ai fait un compte Instagram, le pourquoi j'ai fait un compte Facebook, et vous avez intérêt à ce que ce soit plutôt le même que la chaîne YouTube et que le blog. Donc, arrêtez de regarder votre courbe d'abonnés et de vous lamenter parce qu'il n'y a que 3, 4, 5... Bon, quand il y a 0 personne, c'est que ce n'était pas la bonne vidéo, ok? Ça arrive. Mettez-la en non répertorié et faites autre chose. Et ce n'était pas 5 heures de perdu parce que c'est 5 heures où tu sais qu'au bout de ces 5 heures, il te fallait ces 5 heures pour comprendre que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Donc, c'est très bien de les avoir fait. Tu aurais pu les faire en une, ça t'a pris 5, mais ce n'est pas grave parce que maintenant, tu sais que tu ne feras plus ça ou que tu ne feras plus comme ça ou que je vais te montrer qu'en 30 minutes, tu aurais fait mieux que ces 5 heures.
et qu'avant, quand je te l'aurais dit, ça ne t'aurait pas marqué. Donc tu avais besoin de ces 5 heures, donc ce n'est pas un week-end de perdu, c'est 5 heures d'expérience. Donc ce n'est pas grave. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous montrerai mes premières vidéos YouTube. Hein. Donc assis, avec 70 cachets dans le sang, comme ça, avec les pas coiffés, blanc sur fond blanc, contre-jour. La moitié de l'image est un radiateur. Un micro dégueulasse avec le fil comme ça, mais horrible, horrible. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans, la vidéo. Et comme David Laroche, je la laisse. Regardez bien la différence en 2 ans. Ouais, en un mois, le mec qui vous dit en un mois, tu passes de là à là, c'est juste un vendeur de formation et de rêve. C'est pas le bon. Le mec qui vous dit en un an, en 2 ans, tu vas faire de mieux en mieux, voilà, et tout ce que tu veux, en effet cumulé, en 1% être meilleur, chose comme ça, et aller plutôt sur lui. Voilà. Technique sans le mindset, sans l'état d'esprit, c'est pas la bonne personne. Vous pouvez pas faire entrepreneur sans état d'esprit. Et tout le monde ne peut pas faire entrepreneur non plus. Parce que c'est souvent la personne qu'on me reproche. Oui, je suis en train de devenir anti-salariat, mais ce n'est pas fait pour tout le monde quand même. Par contre, il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui devraient et qui pourraient être entrepreneurs. C'est ça le message. Ce n'est pas tout le monde doit être entrepreneur. Parce que entrepreneur, si tu ne te lèves pas le matin avec ta passion, tu ne vas pas te lever longtemps. Entrepreneur, si ce n'est pas ta passion que tu es en train de monter en vidéo pour après ensuite aller embaucher un mec pour déléguer cette tâche qui t'a pris 5 heures à faire et que le mec il te fait bah moi je l'ai fait en 1 minute et que c'est 2000, alors tu fais non, parce que comme toi ça te prend 1 minute, même si tu es très bon, ce sera 100 euros. C'est une démarche tout le temps dans la vie. Quand tu vas au resto, tu prends des notes, tu as une idée qui va t'améliorer pour ton business parce que tu te dis que là, le logo sur la carte du menu écrit comme ça, c'est cool. Je vais faire la même chose sur mon groupe Facebook. Alors que ça n'avait rien à voir. Entrepreneur, c'est juste un mec qui connecte des sujets qui n'ont rien à voir entre eux. Et qu'en France, on veut mettre les gens dans des petites cases. Tu seras le mec qui fait ça dans ton service, qui fait que ça au fond, à gauche de l'organigramme. Et l'entrepreneur, il regarde l'organigramme et il dit « Putain, si on mettait lui avec lui, ça ferait un truc de fou. » Tu vois ? On a fait un live d'1 heure avec Olivier Juprel, chez qui je serai le 21 septembre à Bruxelles. Bruxelles. Voilà, donc ça va être cool. Et parce que du coup, je ne serai pas le 28 septembre à l'événement d'Olivier Roland parce que j'ai piscine. Non, j'ai mariage. Je confonds les deux. Vous imaginez, vous mariez avec un mec qui fait cette vanne? C'est horrible. Elle peut encore annuler. On a fait un live d'1 heure qui démontre surtout et qui met l'accent. Et Olivier Juprel, il se bat vachement là-dessus et ça, c'est important. Olivier Juprel, il a 3000 abonnés, je sais pas, 2000, 3000. Il a 2 chaînes, il y en a une à 1000, une à 3000, peu importe, on s'en fout du nombre d'abonnés. Moi quand je vais en cours de maths, à la fin de mon heure de cours de maths, la prof en maths, elle fait pas « mets un pouce bleu si c'était bien, mets-moi un commentaire », elle regarde pas une cour pour savoir si à la 18e minute c'était mal expliqué, et je lui demande pas « combien tu as eu d'élèves dans ta vie, ok ?» Et elle est respectée, et elle a autorité, et il y a 30 personnes qui l'écoutent, et elle fait des conseils de classe et des choses importantes. Donc on n'a pas à subir ça tout le temps non plus. Détachez-vous de vos chiffres et de vos vanity metrics pour faire l'anglais que vous détestez. On n'est pas que des chiffres, et on peut gagner très 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 bien sa vie parce qu'on a très 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 peu d'abonnés, mais qu'on a les bons et les vrais, et ceux qui nous correspondent et ceux qui étaient nos. Si on veut faire du web marketing, nos prospects chauds, wow, quel joli mot, non, nos bons clients et des clients qui vont devenir nos fans, Mélodie vous fera ça cet après-midi, et vous allez fonder votre communauté, pas vos clients, des clients avec qui vous pouvez bouffer au resto le samedi soir et c'est cool, pas le client relou qui vous balance des mails, pas comme ça que j'avais demandé et tout, mais ça c'est horrible, ça c'est des clients, là vous êtes entrepreneur naze, voilà, et t'écris à la compta et quand est-ce que le virement il est parti, allez en entreprise faire du salariat, ce sera formidable, voilà, mais c'est pas pour ça que vous êtes blogueur pro au sens large, donc pas au sens Olivier Roland, mais que vous allez lancer un business sur le net, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit du podcast, parce que j'ai pas envie de me voir en vidéo alors que c'était un clic de plus d'avoir l'image. Donc arrêtez de faire du podcast audio quand faire de la vidéo, c'était au lieu d'allumer un micro, allumer une caméra. Parce que là, vous perdez du temps. Il vaut mieux faire de la vidéo qui devient de l'audio, mais pas du « je fais 1 an d'audio, j'aurais dû faire de la vidéo ». T'as perdu 1 an. Et comme faire un site web sur le « j'ai pas compris l'épisode, comment on met en place la newsletter » et je le fais au bout de 2 ans. Ou au bout de 2 ans, j'aurais récupéré 2 ans de mail. Et le mail… Ce qu'on vous apprendra dans pas mal de formations, c'est que ça reste dans la première problématique mondiale actuelle qui est la concentration quand on fait quelque chose sur un ordi ou un smartphone.
actuellement, même pour moi, le meilleur moyen de communiquer avec moi, c'est de m'envoyer un mail. Alors le titre, il a intérêt à être péchu comme une vidéo YouTube pour que je clique dessus. Mais une fois que je suis dans le mail et que je lis, si ce n'est pas un gros pavé de texte, s'il y a un peu d'humour, s'il y a des smileys, s'il y a de la couleur, s'il y a une image qui va bien et si à la fin, il y a un lien, c'est encore le seul moyen de me transporter dans du storytelling pour peut-être me vendre quelque chose à terme. Peut-être pas dans ce mail-là, mais peut-être dans le mail dans 3 jours, dans 4 jours, dans une semaine. Voilà. On a quand même un contact avec le mail qui est encore privilégié par rapport à le mur Facebook que je fais défiler de haut en bas, le mur Instagram que je fais défiler de haut en bas, la page première de YouTube où je suis en concurrence, sujet sérieux, chaton qui danse, aucune chance. Dans la colonne de droite de YouTube, vous avez des chatons qui dansent, le régime à la mode des stars, le clash entre machin star, car YouTube appartient à Google. Google voit partout où vous surfez, partout, partout, partout. Il voit ce que vous avez acheté sur Amazon. Il voit la couleur de vos petites culottes. Il voit votre taille. Il voit votre sexe, vos préférences. Il voit tout ce que vous aimez, ce que vous faites et compagnie. Donc, les vidéos sont proposées en conséquence. Et donc, il va gagner. Vous ne pouvez pas lutter contre un algorithme qui en sait plus sur vous que la plupart du temps vous-même. Donc, la tentation à droite, elle est grande et elle est terrible. L'indispensable pour faire de la vidéo. Tu te calmes. Le matériel, ah, le traumatisme, il faut choisir la caméra, sinon je peux pas faire du YouTube. Je vais sûrement acheter un réflexe à 1 000 €. Comment ça marche, on verra après. Grave erreur, on s'en fout complètement. Avoir une caméra à 3000 balles comme ce qui est là-bas et avoir un smartphone, vous avez la chance de vivre en 2019, au moment où je parle, en tout cas, je crois, on est cette année-là, dans votre espace dimensionnel. À 200 € maintenant, en 2019, vous avez un smartphone qui filme. Je peux vous faire des chiffres, hein, en full HD 4K, ce que vous voulez, d'une qualité formidable. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est le petit clips pour tenir le smartphone avec un petit trépied comme ça. Le petit clips comme ça, clac, on pose le smartphone, on appuie sur enregistrer et l'image, c'est fait. Donc votre excuse pourrie, je ne peux pas faire YouTube, je n'ai pas de caméra. Next. Quand on commence, on ne fait pas la super belle image avec le fou d'arrière-plan, les effets et le c'est super bien monté. Il y a la musique épique et il y a l'intro qui va bien avec les réseaux sociaux qui s'affichent en tournant. On s'en fout complètement. Parce que c'est pas ça commencer une chaîne YouTube. Commencer votre chaîne YouTube, c'est déjà la commencer. Et après, on améliore. Et à chaque vidéo, on va mettre la petite graine de sel qui va mieux. Le plus important, c'est pas la caméra, c'est le son. Sachez qu'en vidéo, au moment où vous appuyez sur enregistrer, il y a un réalisateur secret d'un autre espace dimensionnel qui fait « Tu m'envoies tous les gros relous qui font du bruit !» Donc, il y a les pompiers, la moto, la dodoche qui est passée tout à l'heure, orange, qui m'a pété le tympan droit, le serveur qui met la musique, la sonnerie de téléphone. Moi, j'ai déjà eu à 2h30 du matin à la Villette avec le numéro 1 des blogueurs français qui s'appelle Corben, dans la technique en tout cas. J'ai mis 5 heures pour oser lui demander, on peut faire une interview. Je suis un ancien timide, hein, on dirait pas comme ça, mais... on peut faire une interview, s'il vous plaît, monsieur Corben. Je regarde même pas dans les yeux. Oui. Oh. Putain, maintenant, faut la technique, quoi. Et 8 bières dans le nez pour le faire. Donc, t'es plus lent. Mais ça inhibe un peu pour aller demander si tu le fais. On trouve le coin le plus calme du monde. On trouve 2 sièges, on pose le truc sur un fauteuil, on lance l'interview, déstress. Après, on était dans la technique, l'ingénieur a repris le micro, c'était bon. Il y a un mec qui ouvre la porte. Allô, le standard. Avec le talkie-walkie. Horrible. Le truc à 2h30 du mat, le truc pas possible. C'était horrible. La femme de ménage arrive. Elle passe le balai comme ça, dans le champ. Elle me fout un pet dans le fauteuil qui tient le trépied. La caméra a 2 doigts de mourir. Il y avait. Ouais, mais je sais. Mais je l'ai, j'ai les rushs, tu vois. Donc je l'ai en vidéo, je peux le prouver. Les mecs, il n'y a pas eu de musique de la soirée, les mecs lancent un karaoké à 2h30. Mais j'ai... Et toi, tu es en train de faire quelles questions je pose au mec que j'admire depuis 10 ans, quoi. Et il faut que tu gères tout ça. Alors, tu le vois dans ma rétine, la colère, la rage, la tristesse, la dépression, il y a tout. Tu vois, dans le mouillage de rétine de l'intervieweur, j'ai tout eu. Mais c'est une expérience de dingue. Et c'est ça à chaque fois. Et c'est tout le temps le son... Et la mise au point, qui est un autre problème, la mise au point qui danse, la mise au point qui a été faite sur le mur, une fois que tu as tourné 3 heures l'événement de ta vie où tu as fait venir 16 personnes, la mise au point a été sur le trépied, et toi tu es flou, et tu voulais le mettre sur LinkedIn pour faire stylé. Voilà, donc la mise au point, si justement tu n'as pas une caméra qui coûte super cher, et tu as un smartphone, bah tout est net, donc c'est plus simple, donc tu as un problème en moins.
Et quand on a des problèmes, vous allez en avoir plein d'autres à gérer, donc vous emmerdez pas avec la mise au point. Alors ça, ça sert uniquement, hein, c'est stylé à la télé, à couper le vent, comme ça. Il y en a moins, c'est pas magique, hein. Il y en a moins. Si t'as pas ça en extérieur, avec le vent, enfin là le deux roues, vous voyez, et, si tu n'as pas ça en, pour interviewer à l'extérieur, c'est mort. Donc en intérieur, du coup, ça ne sert à rien. Donc arrêtez de mettre ça pour faire style. Arrêtez de mettre ça pour être stylé sur YouTube parce que t'as un gros micro de professionnel. En intérieur, il n'y a pas de vent, ok? Sauf si comme moi tu es un génie et que ta troisième vidéo YouTube, c'est l'été et que tu mets le ventilateur qui souffle sur le micro toutes les 10 secondes parce qu'il tourne. Hein? Tu l'as pas vu celle-là. Tu vois, mais l'image est géniale et toi tu fais ah, je vais monter, c'était trop génial. Au bout de 2 heures de tournage, t'écoutes et là t'as. C'est quoi ce il est plus. Il est plus. Et à un moment, tu sais, tu regardes le salon et tu fais « Ouais, d'accord, quoi. » Et t'avais juste mis le ventilo qui souffle sur le micro. Et tu viens de te péter toute ton après-midi, pas à cause du son, pas à cause de la mise au point, mais du ventilateur qui fait « Ouais, moi, quand je parle, j'ai chaud, donc je mets le ventilo. » Tu vois ? Donc ça, c'est 42 euros sur Amazon au prix ouais, d'hier. C'est un petit micro, ce qu'on appelle un micro canon, donc c'est directionnel. Là, le son est bon, là, le son est moins bon. Là, on m'entend de derrière. Et ce qui est un problème, si tu fais de l'interview en tenant ton appareil. Parce que si tu tiens ton appareil et que tu poses la question, c'est-à-dire que tu as un son pourri de question, et ensuite tu as la personne qu'on entend bien. Donc c'est un vrai problème de faire l'interview. Et tu ne vas pas retourner comme ça ton truc. Là la question, là je mets. Là la question, là je mets. Et donc c'est un vrai problème. Mais c'est quand même, pour débuter, vachement bien. Ça se branche sur un smartphone. Vous avez appris les intermédiaires comme ça ? Ça c'est trop mignon, c'est sorti il y a un an. Mais si c'est trop mignon, regarde, on dirait E.T. Et ça, tu fais ouais, mais moi. Alors, il y a un petit écran comme ça. Alors, donc ça s'appelle une DJI, c'est la marque. Osmo, c'est le modèle Pocket, parce qu'elle rentre dans la poche. DJI, DJI. DJI en français, c'est moins stylé. Hein. DJI, c'est une marque qui fait beaucoup de drones qui volent. Mais du coup, comme ils font des drones qui volent, ils font des petites caméras sur les drones. Ils ont dit, regarde, le truc du drone, on le met sur un tube, c'est cool dans la main. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est cool. Il n'y a pas besoin d'hélice pour le faire voler. Voilà. Donc ça vaut quand même, moins cher qu'un Canon, 350. Sans la petite carte qui stocke les vidéos, hein, parce que c'est comme une imprimante. Hein. On le vend sans le câble, c'est tellement mieux pour fonctionner une fois que c'est rentré à la maison et que le vendeur vous l'a pas dit. Donc pour moi, la caméra, c'est vraiment pas, mais vraiment pas votre problème. Votre problème, c'est d'abord le son et ensuite la lumière. Donc arrêtez de vous mettre, comme là, il y a la lumière de la fenêtre de la cuisine, ça va être super bien. Je la mets derrière moi parce que ah, ça fait la luminosité dans le salon. Wouh ! Tu mets la caméra donc en mode automatique, elle fait la mise au point sur toi, miracle. Si elle fait la mise au point sur toi, elle dit, t'as vu derrière, c'est tout blanc. Du coup, toi, tu vas être tout noir. Et on a la première vidéo célèbre de YouTube, que j'ai aussi, hein, en contre-jour. C'est dégueulasse. Celle-là, fallait la faire en podcast audio. Mais tu la gardes juste pour dire, t'as vu, ça, c'était ma première vidéo pourrie. T'as vu ce que je fais maintenant ? Bah ouais, j'ai juste tourné la chaise. Alors ouais, on voit la cuisine, mais tu sais quoi ? Je préfère voir ta cuisine que voir ton contre-jour dégueulasse ou ton radiateur. Voilà. Et puis, scénarisez, vous faites un petit coin chez vous, mettez un petit tableau en rapport avec la thématique, une plante bidon, une chose comme ça, un trépied, c'est pas un petit choix non plus. Et quand on m'a volé tout le matériel et qu'il a fallu tout racheter et en moins d'une semaine, livraison inclus, ça n'a pas été un détail puisqu'il fallait choisir les trucs, les petits trucs qui vont sur les trucs et les accessoires des trucs. Et ce qui va tout le temps vous pourrir la vie, c'est les trucs pas prévus, bien sûr, sinon ce serait trop cool. Ça va être les accessoires, donc les petits trucs. Le petit adaptateur, le trépied, il y a 2 écoles dans le trépied, j'ai découvert ça quand j'ai racheté un trépied. Il y a le trépied qu'on dévisse à chaque pied à 4 endroits. Installer ton trépied 30 minutes, c'est pas droit, ça tient pas, c'est horrible. Et le trépied avec des clips, je vais déballer celui-là du coup. Donc là, on passe du gros daube de trépied, voilà, il tient à moitié, si j'ai pas Nelly à côté, j'ai même pas confiance quoi. Là, le pied, il passe dans le trou entre les 2 barreaux, on fracasse l'appareil. Et le sceptre d'autocar. Donc ça, c'est la Rolls. Donc c'est pas un trépied, c'est ce qu'on appelle un monopode. Il n'y a qu'une seule barre. Et au lieu d'avoir le truc qui se dévisse, là, insupportable, il y a des taquets. Ça veut dire je le déplie très vite. Je le replie très vite. Mais c'est stable pour me gratter les fesses. Mais pas beaucoup plus. Si j'ai un gros relou qui passe, le serveur là avec le café,
paf, 3000 par terre. J'ai pété mon objectif. C'est fini. Donc, par contre, ça, je peux le bloquer ou pas. Je peux faire mon petit traveling. Je peux me déplacer. Si je dévisse ici, c'est l'autre. Bon, c'est l'autre. Vous voyez, comment je connais bien mon matos, bah, il est tout neuf. Ça tourne comme ça pour faire mon petit gauche-droite tout en souplesse et stabilisé. Et ah, l'action maintenant, elle est là-bas. Je le prends, je le déplie. Pour l'avoir essayé avec un trépied, bah, vous cognez tout le monde. Vous pétez le mollet de trois personnes en passant. Voilà. Donc le trépied, bah, vous le repliez. Vous le déplacez, vous redépliez les trois pattes. Voilà. Ça, c'est assez génial. Mais là, on est dans l'action. On n'est plus dans le YouTube. Je me file chez moi dans mon salon. Okay. Et ça, tu peux mettre ton smartphone dessus. Tu as, ici, tu as toujours un pas de vis avec ce qu'on appelle une fixation rapide. Moi, choisir ça, je peux passer trois jours. Parce que ça, entre c'est le même là, c'est le même de l'autre trépied, c'est le même du mini trépied, je vais vous montrer après, c'est le même pour le smartphone, etc. Si c'est le même petit truc, ma vie change. Si c'est pas le même sur les quatre, ma vie est finie. Je suis allé chez un cabinet d'avocats, ça, c'était sur le bureau. J'ai amené le trépied à Paris, je me suis fait 2 heures de train. Le trépied, je peux pas l'utiliser. J'ai oublié le petit truc. Ça, trépied souple, encore mieux que le truc. Parce que, bah ouais, mais moi, j'ai pas envie d'acheter ton trépied, d'accord. Je t'assure que ça bouge plus. Ça marche sur le mobilier, ça marche sur les branches d'arbres, ça marche sur le mobilier urbain, la barre de fer, le truc improbable et tout ce que tu veux. Après, tout ce qui manque ici, c'est ce qu'on appelle donc la rotule. Donc, ça va être la tête qui pivote, qui tourne, qui clipse, qui ce que tu veux. Il y a tous les prix. Tu peux en trouver à 5 balles qui clipse ton smartphone. Si ton smartphone vaut 1000 balles et que tu mets 5 balles dans la pince, tu joues avec ta vie. Mais je connais beaucoup de gens qui mettent 1000 euros dans le smartphone et 2 euros dans la housse. Et quand il tombe, il est pété. Il faut aligner un peu les petits trucs et les gros trucs. Donc là, c'est pareil. La meilleure pince qui clipse un smartphone, j'ai une vidéo dédiée sur YouTube dessus. Elle s'appelle le Glif, G-L-I-F. Elle vaut 30 euros. Donc ça me dit, ouais, mais 30 euros une pince, ça va pas ou quoi? Ouais, mais la pince, elle a un pas de vis là, un pas de vis là. Donc tu peux aller fixer ton petit micro sur le côté. T'achètes une petite lampe, elle a un pas de vis au-dessus, tu peux visser la petite lampe. Il y a un taquet derrière de sécurité qui fait crac et qui fait que ton smartphone à 1000 balles, il va pas tomber quand t'es en vacances au bord de la rambarde pour faire « Ah, regarde le ravin !» Vous avez vu quand on tient un truc au bord d'un ravin, qu'on en a peur de le faire tomber? Alors que c'est pas plus dangereux que quand je fais ça. Eh ben, quand tu le fais qu'à 200 mètres, le bras, il fait ça. Voilà. Eh ben, moi, j'ai confiance dans mon Glif. Et ma confiance dans mon smartphone à 1000 balles, je mets 30 balles, j'en mets pas 5 en Chine. Parce que vous allez mettre les 5 dans les chinois, mais du coup, vous allez les mettre 3 fois, 4 fois, 5 fois dans un truc chinois pourri qui va péter aux deuxième utilisation. Donc, de toute façon, les 30 balles, vous allez les mettre. Ça, c'est génial. Ça, c'est l'arme du youtubeur secrète. La preuve, vous l'aviez même pas vue. Chut, non, maintenant on dit c'est moi. Non, c'est lui qui m'a montré. C'est lui qui m'a montré. Coup d'état aussi, ils ont ça. Donc, si tu veux te faire chier, tu fais comme ce que conseillent tous les vidéos de youtubeurs. Alors, on va acheter le truc HF qu'on met là, comme à la télé, le fil qui passe sous la chemise, je le mets sur le plexus solaire et ça va frotter dans le décolleté. C'est chiant, c'est horrible et tout. Faut des fils, faut des piles. Faut des piles à l'entrée, faut des piles à la sortie. J'ai déjà 1000 batteries à faire. Voilà, c'est le AT de Audio Technica. Ouais, en double. C'est très bien. C'est très bien parce que celui-là, tu peux. Donc, on retourne dans le problème de la connectique comme ça, qu'il faut avoir à l'arrivée. Sur ta caméra ou sur ton smartphone, attention, il y a des caméras à 1000 euros. Vous branchez pas ça. C'est pas prévu, on l'a pas mis. Mais on l'a mis sur celle à 1005, hein, vous inquiétez pas. Parce qu'il faut bien qu'on la vende. Et vous avez la petite moussette, voilà, pour le vent. Donc ça, c'est pas mal en double. Pourquoi? Parce que le son que vous allez prendre, vous allez le mettre dans le smartphone avec la vidéo. Ou si vous le prenez sur la caméra qui a le trou, là, la caméra qui est là-bas, elle a le trou, heureusement, au prix qu'elle coûte, je prends le son et je vais le mettre dans la vidéo. Ça veut dire que ce soir, chez moi, dans ma petite carte mémoire d'appareil photo, caméra, je le mets dans l'ordinateur, j'ai l'image et j'ai du meilleur son déjà monté, j'ai le bon son de mon micro que j'ai acheté et j'ai ma vidéo. Mais j'ai pas un son exceptionnel, des fois le fil, tu vois, c'est pas adapté à toutes les situations. Ça se voit même quand tu le passes là et puis t'as le mec qui va tirer sur le fil et tout couper et te le péter parce que le fil il est pas très robuste. Donc, sans fil, 16 heures d'autonomie, mémoire. Pff, depuis que je l'ai acheté, je suis même pas sûr si je l'ai vidé une fois. Complicated. Le Sony TX 650. Sony TX 650.
J'ai une vidéo sur la chaîne dédiée à choisir son micro où il y a toutes les références et les liens d'affiliation. Et pas de lien d'affiliation entre nous. Mais ça vaut. C'est un investissement de débat. Mais c'est pareil. Tu vas mettre 30 euros dans un micro qui va pas faire l'affaire, ou au premier claquement de porte, ou quand tu vas te lever, ah, la mise au point, j'ai pas allumé la caméra, le fil, clac, pété, 30 balles. Bon, bah, le deuxième, clac, repété, 60 balles. Bon, bah, ça vaut 100 balles. 115 même, plutôt. Alors, deux intérêts à celui-là, hormis ça, petit truc. Il y a un bouton, donc c'est simple à utiliser. Je gère pas la batterie, les piles, les machins, parce que quand je le branche pour enlever le son de là et le mettre dans l'ordinateur, il se recharge. Comme je vais l'oublier toute la nuit, parce que je vais pas repartir en soirée avec mon micro, bah le lendemain, la batterie, elle est pleine. Donc, elle est tout le temps pleine. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de câble, machin. Le câble, il est presque standard. Donc, déjà, c'est pas mal pour du Sony, parce qu'ils aiment bien les câbles qui existent que pour eux. Et il y a une mémoire très, très grosse. Le son est très bon. Je tourne la tête, j'ai le même son. Et ça, quand tu fais des tutoriaux, tu sais, tu attrapes l'objet sur le côté avec ton micro perche. Tu n'entends plus rien et je reviens, tu vois. Et donc ça, c'est cool. Et puis, tu fais des interviews. Honnêtement, je l'ai déjà fait sur la table. Tu poses comme ça, entre les deux personnes. Le son, ça le fait. Franchement, c'est très correct. Et pendant un an, j'ai arrêté de trimballer mon gros micro pro canon à 400 euros, qui était super gros, dans le sac à dos. Je le pose sur la table, il est très correct. Évidemment, l'idéal, bah, c'est t'en achètes un deuxième. Et t'en mets personne une, claque, personne deux, claque. Évidemment, tu multiplies l'addition par deux. Mais t'as le même son pour les deux, le même volume pour les deux. Bon, il y a toujours un mec qui parle plus fort, mais tu pars avec la même qualité. Parce que si tu mets 300 euros dans un super micro pour la première personne, quand il faut doubler l'addition, c'est compliqué. Du coup, tu te retrouves avec un super son personne 1 et un son pourri personne 2. Et au montage, si tu dois gérer le volume et la qualité différentes, commence à être compliqué. Donc, il faut se faciliter les choses au tournage parce que vous ne les rattraperez pas au montage. Il faut que quand vous tourniez et quand vous enregistriez, vous appreniez à vous taire quand vous venez de rater votre prise. Je dis la phrase, j'accroche le mot. On le fait tous. Je rate mon mot, je me tais, je bloque les mains. Je réfléchis à comment je vais le redire. Je répète ma phrase maintenant que je suis prêt. Au montage, le son, il est tout plat. J'ai arrêté de faire « Oh là là, comment je vais le dire ?» Tu te tais. Il n'y a rien de là à là. Au montage, regarde, de là à là, dégage. Et après, il y a le cas, la phrase vraiment, elle sort pas. Il y a un mot, voilà, anticonstitutionnellement, il doit y avoir plus dur. Mais il y a vraiment le mot, tu arrives pas. Tu dis la phrase une fois, tu dis la phrase, tu te tais, tu figes les mains. Tu refais, ou le fou rire. Tu rigoles avec ton intervieweur, le fou rire. Là, c'est la 14e fois, la phrase, elle est bonne. Ça y est, on l'a en boîte, c'est toujours coupé, on va boire un verre d'eau, tout ça. Mais la 14e fois, elle est bonne. Tu tapes dans la main comme ça. Et je vous expliquerai pourquoi on le fait au début au cinéma et pourquoi sur YouTube, on peut être amené à le faire. Mais même là, de la 14e prise, elle est bonne. Tu t'en fais deux si tu veux. Et tu te laisses des informations pour toi au montage. Et au montage, ta piste son, ou tout à l'heure, quand tu as enfin fait du silence, il n'y avait rien. Là, il y a un twing. Et si le cas se représente dans le même tournage, tu sais quoi, la deuxième fois, attention, technique de fou, t'en fais deux, la numéro 2, elle est là, etc. etc. Il n'y a pas plus simple que faire 1, 2, 3, 4, 5 avec des claps. Voilà. Et alors, à quoi sert le clap d'origine? C'est que justement, si mon son, il est là-dedans, mais que mon image, elle est là-bas, c'est le cas là. Là, je ne suis pas en train d'envoyer le son là-bas. C'est-à-dire que là-bas, quand je vais arriver dans mon ordinateur, je vais avoir l'image d'un côté, le son de l'autre. Et j'ai pas appuyé en même temps. On avait 1, 2, 3, on tourne. Ne faites jamais ça en vidéo, jamais, c'est horrible. L'interlocuteur est bloqué, dès qu'on parle, bonjour, salut, présente-toi, horrible. Arrêtez ça tout de suite. Ça tourne, je m'assois, blablabla, ça va, tu veux un thé, blablabla, de l'eau, blablabla. La vidéo, elle a commencé, peut-être, on sait pas, blablabla, blablabla. Et tu remettras dans l'ordre les questions. Et maintenant, même encore mieux, ce qu'on ne pense pas assez à faire, le début de l'interview, le début de la vidéo, là où on n'est pas à l'aise, et ça se voit, hein, le corps il monte moins, le non-verbal et compagnie, tournez-le à la fin. Quand ça y est, toute la technique et les points clés que vous vouliez mettre, vous les avez fait, vous avez fait toute la partie difficile de la vidéo. Donc le « bonjour,
D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ça, 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 ça. Vous le savez, vous venez de le faire. C'est fait de tourner. C'est vachement plus simple à lister. C'est valable pour l'interview. Bonjour, dans cette interview, nous allons parler de ça, 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 ça. On vient de faire les questions-réponses. C'est vachement plus simple. Par contre, toute la partie difficile, elle est passée. Et là, on revient à juste qu'est-ce qu'on va faire dans la vidéo. Vous êtes détente. Vous prenez ce bout à la fin et au montage, bah, vous le remettez au début. Et le début de votre vidéo, vous êtes souriant, vous êtes détendu, vous bougez les deux bras. Tu l'attendais. Et ça se voit. Et le début de l'interview, parce que sur YouTube, on le voit, je vais essayer de vous montrer vite fait les analytics, donc l'analyse de courbe de combien de temps les gens restent. Les trois premières secondes, vous perdez 50% des gens. Entre la miniature, le titre et la promesse et le « je lance », c'est quoi ce mec ? Comment il se fringue ? Comment il parle ? Le son, il est pourri. L'image, le contre-jour, le « c'est mal présenté, c'est trop blanc, le son est trop fort, j'aime pas la musique, blablabla », 50% en 3 secondes. Pouf ! Et après, vous avez l'érosion des 50%. Si vous êtes bon, c'est tout doux. À un moment, vous êtes très mauvais, il y a la chute, arrêtez de dire cette phrase, ne faites plus jamais ça. Moi, j'ai détecté avec les courbes le… Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Truc important, truc important, truc important, truc important. N'oublie pas truc important, n'oublie pas truc important. Je regarde trois vidéos. À chaque fois que je fais « Voilà pour cette vidéo », la courbe, elle fait « Suicide ». On va arrêter cette phrase. J'ai des clients qui m'écrivent des scripts. Si vous avez des problèmes de mémoire, si vous n'arrivez pas à apprendre votre texte, votre préparation, un prompteur, comme à la télé, ça vaut 179 euros. Il n'y a pas l'écran dedans. Il faut une tablette. Une tablette chinoise qui fait défiler du texte à la con, ça vaut 50 balles. Donc pour 230 euros, le problème du « oui, mais alors ma feuille A4 avec la technique du… » Et ça, vous le voyez souvent. Le mec fait une phrase, il sait qu'il n'a pas celle d'après, il sait que c'est sur la feuille, donc les yeux se baissent pendant la phrase. C'est insupportable. Donc arrête la technique de tout à l'heure, finis ta phrase, on sait que tu n'as pas la suite, tu sais que tu n'as pas la suite, essaye pas à deux. Finis ta phrase, tu te tais, tu figes les mains, comme tout à l'heure, tu te tais. Tu lis ta note, alors c'est pas facile si la feuille elle est là. Mettez une pince à linge avec la feuille en face, juste en dessous de l'objectif, et regardez l'objectif, arrêtez de regarder l'écran de contrôle si c'est une caméra avec l'écran qui se tourne. Il faut regarder l'objectif. Ça se voit quelqu'un qui regarde en biais. Si Jean-Pierre Pernaut regardait comme ça, vous verrez qu'il y a un prompteur. Vous avez l'impression qu'il vous regarde, croyez-moi, il lit le texte. Donc, vous vous taisez, vous lisez votre phrase d'après, vous remettez les yeux en face, vous défigez les mains, vous utilisez les mains, et vous faites la phrase d'après et vous arrêtez le. C'est horrible. En fait, il faudrait dans une vidéo la penser à l'inverse de ce que tout le monde fait. D'abord le titre, voire même avant, est-ce qu'il y a un volume de recherche? Donc là, Mélodie va le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vont chercher quelque chose où ma vidéo est une réponse à ce quelque chose? Pas facile. Il y a des outils qui font ça très bien. Si je réponds à une question que personne ne se pose et que je crois que je vais devenir youtubeur, blogueur, ça va être compliqué. Si je pense répondre à une question que tout le monde se pose avec un mot que personne connaît en titre, ça va être compliqué aussi. Donc, fais des bullet points, voilà, les points clés de ta vidéo, sinon tu vas perdre en improvisation, tu vas perdre en naturel. Mais peut-être que si il faut ta première vidéo en écrire plus, tu fais ta première version, tu l'as fait, ça va peut-être manquer d'authenticité, des choses comme ça, mais déjà c'est fait. La deuxième, enlève les petits mots. Comme quand tu arrives à la fac où tu n'as plus le temps d'écrire tous les mots. Et les mots, les apostrophes, et les deux, et les mas, et les dada, mots importants. Si tu n'es pas capable de faire cette phrase, ce n'est pas ta thématique de chaîne YouTube. Si tu n'es pas capable de faire une phrase avec le mot important de la phrase, change de passion tout de suite. Tu ne vas pas aller loin. Puis tu ne feras pas de YouTube, tu ne feras pas d'article, tu ne feras pas de podcast. Donc au début, tu mets 5 mots, après tu en mets 2, et puis après tu. Voilà. Donc tu fais juste tes points importants. Et moi, mes meilleures vidéos qui cartonnent, c'est celles que je n'ai pas écrites. Faites des top 3 et pas des top 4 et faites des top 5. Puis si vous n'arrivez pas à trouver le cinquième, vous faites une blague. Le cinquième, j'en ai pas vraiment, c'est votre bonne humeur. Pff, nul, on s'en fout. Mais dans le titre, top 5, ok, c'est pas grave, on s'en fout, tu fais une blague. Donc, l'informatique, c'est après. Le matériel, c'est presque après. En fait, le plus important, encore une fois, hein. Entrepreneuriat, c'est le mindset, c'est le cocon. On va revenir dessus, sauf si tu fais énormément de cocon. Je peux le faire, hein. Donc, le cocon, ben c'est encore une fois, c'est le quel est le but ultime? On ne l'a pas à la première vidéo YouTube. On peut changer un peu de cocon. On peut modifier son cocon, changer la direction, mais
dans votre blog, dans votre vidéo, dans votre année, il faut quand même qu'il y ait un but, qu'il y ait une trajectoire. Croyez-moi, les étapes, vous allez faire des gauche-droite en ski athlétique, hein, vous inquiétez pas, vous allez prendre pas mal de bosses dans la gueule. Mais l'important, le premier, c'est la cohérence et le cocon. Si j'ouvre un Insta parce qu'on m'a dit qu'il fallait ouvrir un Insta pour faire les photos de ce que vous bouffez au resto, on s'en fout complètement de ce que vous bouffez au resto, ok? Sauf si votre blog est sur la bouffe. Bon, ça va, je t'ai entendu. Eh ben, il y a un an, je faisais des photos de bouffe sur Insta. Vos verres sur Insta, qu'est-ce que tu fais sur Insta? Je suis allé au resto, j'ai bouffé, la photo est belle. Hein. Alors, je peux le vendre sur ma photo est belle quand je vais au resto, ok? Par contre, la photo de bouffe qui est belle devant la plage à l'étranger, et avec un blabla, digital nomade, change de vie, et je te la mets le lundi, parce que toi, lundi, t'es allé au boulot avec la réunion qui sert à rien d'épiler tes mails de pub de merde, elle est vachement plus forte que « ils sont bons ces calamars ». Tu vois le truc? C'est « ils sont bons ces calamars au bord de la plage un lundi matin pendant que toi, t'es en réunion. » Et je vends une formation qui va te montrer comment j'ai fait. Et le cocon, c'est peut-être « donne-moi ton mail ». Parce que votre but, c'est avoir tant de personnes, de leads, quel mot horrible anglais, de personnes dans ta newsletter à qui tu vas pouvoir avoir un échange privilégié et enlever ce putain de Facebook infini en hauteur, ce putain de Facebook, de Instagram et compagnie, avec des mails. Et peut-être que pour ça, tu n'as pas besoin d'Instagram, tu n'as pas besoin de Facebook, tu n'as pas besoin de LinkedIn, tu n'as pas besoin de YouTube. Tu as besoin d'un seul média qui est celui qui te correspond le mieux, que tu maîtrises le plus d'abord. Et quand tu auras cartonné sur YouTube, quand tu auras cartonné en audio, quand tu auras cartonné en conférence, et que tu seras la reine de la conférence qui remplit une salle de femmes, de fous, et que tu seras la reine de la conf. Et moi, mon truc, c'est pas faire du Facebook et du LinkedIn, et je comprends rien, je sais déjà même plus le mot de passe que j'ai mis hier sur Facebook. À la fin de ta conf, tu vas mettre hier, j'ai ouvert un compte Instagram avec mon nom bidon. Et tu prends ta salle qui sera devenue une salle de 100-200, et ton Insta, il fait plus de 100 instantanément. Et tous tes samedis que tu as passé à faire la formation pour avoir 1000 followers sur Instagram de fou, c'est qu'il faut poster tous les jours une photo de moi qui fait de la bouffe et qui m'invente une fausse vie d'instapreneur. Le instapreneur, c'est un mec qui fait genre il a réussi alors qu'il achète des coquillettes avec son livret A, vous voyez ? Et c'est quand même le cas de 98% des photos que vous voyez sur Instagram, comme de la première page que vous lisez sur Biba. Okay, la meuf, elle est très moche le matin. Quand elle se lève, elle a une sale gueule dans le miroir. Mais il y a Photoshop. Donc, c'est pas grave de pas être sur Instagram, LinkedIn, Facebook, machin, tout ça. On s'en fout, vous le ferez après. Faites là où vous êtes bon et là où vous prenez du plaisir. Si vous prenez pas du plaisir, vous abandonnerez. Si vous abandonnerez, vous aurez tout perdu. Ok, les 3% qui ont persévéré, les 97% qui ont abandonné travaillent pour les 3% qui ont persévéré. Donc, le numéro 1 du truc, c'est la persévérance. C'est pas la technique, c'est quoi mon mot de passe Facebook. La sauvegarde, éventuellement, peut être importante. Mais ce qui est important en informatique, c'est pas comment marche YouTube. Parce qu'à terme, ça va se déléguer. Il faut voir un peu comment ça marche. Mais c'est pas... vous allez être des experts de rien. Votre expertise, ça va être peut-être généraliste dans plein de choses. Et de pouvoir apprendre vite et de pouvoir vous auto-faire des procédures. Et si tu n'arrives pas à te filmer, machin, ben, tu prends ta fille, ta tontine, ton assistante, ta copine dans la conf, tu lui donnes ton tel et tu fais hey, à un moment, quand c'est bien, tu filmes. T'appuies et tu me fais une petite minute. Nous, on est en train de travailler là-dessus. Nelly a passé 2 jours et je te jure qu'on a fait un niveau technique. Je peux te faire 28 slides. Le comment, un YouTube de 30 minutes, je prends la meilleure des minutes de fou. Elle est en paysage, je la mets en portrait. Pff, moi, je suis un mec qui illustre par les côtés. Donc, toutes mes illustrations, regarde le livre d'Olivier Roland, il arrive à gauche. Ben, en portrait, le livre, il est à moitié coupé en deux. Je suis perfectionniste, ça va pas, tu me le remets au centre. Alors, à droite, à gauche, il faut ramener au centre. Les sous-titres, tu peux pas aller rechercher ceux de YouTube. Donc, il faut refaire les sous-titres. Où est-ce qu'on coupe la minute? Qu'est-ce qu'on met à la fin? Et du coup, tu as deux bandes noires en haut, puisque tu as fait du paysage en portrait. Donc, tu te prends bande noire. Qu'est-ce qu'on affiche sur ces bandes noires? Est-ce qu'on met les sous-titres? Est-ce qu'on met un flou en dégradé, en violet, contouré rouge? On va passer 2 jours à faire 1 minute de vidéo. Mais alors, cette minute, elle est top of the pop. Vous allez la voir sur Insta. Vous avez intérêt à tous liker, mettre des cœurs de fou. Si vous imaginez même pas que cette minute nous a coûté à deux 5000 balles d'ordinateur, de savoir-faire, de tutoriel pour trouver comment la prochaine fois qu'on fera cette minute, elle coûte pas 2 jours, mais elle coûte, bon, elle coûtera toujours 5-10 minutes, ok? 1 minute, ça coûtera toujours plus.
mais on arrivera à l'enseigner rapidement déjà aux autres comment la faire en 5-10 minutes. Et c'est super important quand tu as une super vidéo d'une heure, tu le sais que la 38e minute, il y a eu le moment fort avec la petite larme. Va la chercher cette minute, prends-la, tourne-la, on reviendra sur le mode portrait, sous-titre-la, parce que le mec en réunion, il ne peut pas mettre le son le lundi matin dans ses mails de merde pendant qu'il voit ton Insta au bord de la plage avec tes poulpes. Et il va regarder ta vidéo, il va lire. 80% sont lus en sous-titres LinkedIn, Facebook, Insta. Il y a deux titres dans une vidéo. Il y a le titre de la couverture. Le titre de la couverture. La couverture, c'est une photo. Elle ne sera pas lue. Bon, Google commence à les lire, mais bon, partie du principe qu'elle n'est pas lue. Là, elle est faite pour l'œil et la provocation et le « j'ai envie de cliquer ». Alors allez-y sur le point d'interrogation et le point d'exclamation, et ce qu'on appelle le putaclic. Vous le sauverez avec l'autre titre. Donc le « tu vas pas me croire » teasing de ouf, trois petits points, point d'exclamation. On s'en fout, c'est sur la miniature. Personne va lire ça, sauf l'œil. Et le « tu vas pas me croire », j'ai envie de cliquer. Plus qu'autre chose. Soyez plus créatifs que ça, c'est lourd. Mais le top, voilà, mon jeudi incroyable. Alors, au niveau référencement, encore une fois, volume de recherche, putain, mais personne ne va chercher ton jeudi incroyable. Quoi. Ouais. On s'en fout complètement. Par contre, en miniature, pour donner envie de cliquer, mon jeudi incroyable, à ta communauté un peu installée, voilà, mon premier événement sur scène. Génial, en miniature, visuel. Mais personne va taper sur Google ton premier événement, ta première conférence sur scène. On s'en fout complètement. C'est pas ça. Elle traitait de quoi la conférence? Donc il y a les deux titres. Il y a le titre visuel et il y a le titre texte. Et tu compenses le fait de « tu te fous de ma gueule avec ton jeudi incroyable » par « ma conférence sur le bien-être en soi génial en 72 points ». Antoine BM du coup, mais il fait tout ce con. Tu te mets sur un mur uni. Bien blanc, bien beige, bien ce que tu veux, et tu fais une séance photo d'émotions. Le top 1, le top 2, le top 3, le top 4, l'étonnement, le confiance en moi, le c'était génial, comme ça. T'en fais 150, on s'en fout, mais tu mets de la belle lumière blanche, pas la jaune à grand-mère, tu changes ton ampoule. Faut arrêter ces ampoules jaunes dégueulasses, ça fait un teint dégueulasse, tout le monde a envie de gerber. Blanche! Où vous mettez 50 balles dans les lumières. J'ai une vidéo consacrée sur la chaîne. Choisir tes lumières, choisir tes micros, choisir ton glyphe, choisir... J'ai déjà tout en vidéo, donc je vous le fais pas en dedans. Et j'ai même envie de dire, il n'y a pas deux titres, sinon ça serait facile. Je suis passé au troisième titre. Il y a le titre, le jour où je diffuse, et je crée de l'événement. Et parce qu'il y a un truc... je vous ai dit tout à l'heure de faire de l'intemporel et de vous détacher des dates. D'ailleurs, Olivier Roland vous dit même d'enlever les dates de votre blog, c'est pour dire... Parce que personne n'a envie de voir ma vidéo « Le meilleur smartphone 2018 en janvier 2019 ». Surtout si un autre mec m'a fait « Le meilleur smartphone de 2019 ». J'ai plus aucune chance. Je viens de suicider ma vidéo parce que dans le titre, j'ai écrit 2018. Et qu'en janvier 2019, tout le monde s'en fout. Et donc, il peut y avoir même trois titres. Voilà, il y a le titre « Je diffuse pour ma communauté ». Et je sais que là, elle va s'engager, elle va faire « Partagez-moi ma nouvelle meilleure vidéo », ça peut être ça le titre. Et puis bon, deux jours après, ma conférence sur le titre un peu plus référencement, quoi. L'intemporel, la miniature, la préparation. Ce que tu disais tout à l'heure, quand tu écris ta vidéo, tu commences par prendre ton stylo, le vrai, tu fais un trait comme ça. Ça, je vais le dire. Ça, je vais l'illustrer au montage. Je veux absolument qu'il y ait ces trois points dans la vidéo, mais à dire à l'oral, c'est super long, c'est super lourd. Mais je veux absolument que ça figure dans ma vidéo, parce que pour moi, c'est essentiel, mais pas pour le lambda qui découvre la thématique et qui voulait un truc frais et léger, tu vois. Il voulait pas lire le dictionnaire, tu vois. Il voulait du storytelling, il voulait du blabla. Mais toi, tu as envie de lui délivrer ce contenu. Le truc important et sérieux, il est là. Mais le storytelling, il n'est pas là. Et c'est difficile de fusionner les deux. Donc, toi, tu vas faire ton storytelling et tu vas mettre... Il existe aussi deux autres solutions que je vous mets ici. Et en plus, tu joues avec l'image puisque tu as préparé ton montage. Tu fais un geste comme ça à la main. Et là, tu vas faire apparaître tes trois points en texte au montage. Tu vas juste écrire trois mots qui vont apparaître à ce moment-là. Et en plus, tu te seras fait le signe de la main visuellement au montage. Et moi, dans mes vidéos, tu vas me voir faire ça et ça, parce que je sais déjà ce que je vais faire au montage.
Parce que quand je parle, c'est con quand je vous invite à aller voir mon autre vidéo, je vous mets le lien en haut à droite. Ouais, t'es en miroir, mec, en haut à droite, c'était là. Tu le connais celui-là ou... Voilà. Enfin, le en haut à droite YouTube, c'est la main gauche. C'est horrible. Voilà. Mais tu sais quoi? Moi, je fais ça. Je vous invite à aller voir dans mon autre vidéo, je fais ça. Dans ta tête, il faut lancer un compteur de 3 secondes. Parce qu'avant, je faisais ça, ça. Donc personne ne voyait rien. Au montage, je fais. Merde, c'est trop rapide quand même. Donc maintenant, j'ai juste ça. Alors les gens en interview, ils sont fous. Mon avocat me l'a dit, il fait, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses mains comme ça pour l'interview? Parce que je préviens pas les gens. Alors après, ils essaient de faire pareil et tout. Ils comprennent. J'ai arrêté de faire ça, c'est pour moi. Et donc, je fais ça. Et au montage, bah, je prends mon truc. Et puis, t'apprends à faire. T'es là, après, t'es là, et après, t'es là. Une fois que tu sais faire, c'est 5 secondes, ça. Donc, c'est pas. Et si tu as fait ce grand tableau avec ça, ce sera mon storytelling, c'est le cœur de ma vidéo. Ça, ce sera l'illustration. Ne mets pas tout ton article de blog de 5000 mots dans cette vidéo, des 15 points pour choisir son smartphone. Fais-nous le top 3 en vidéo. Si tu penses qu'un top 3, c'est pas suffisant et que tu as envie d'avoir 18 critères, va voir mon article de blog, je te l'ai mis en commentaire. Et pas qu'en commentaire, mais en commentaire épinglé. J'y reviendrai dessus derrière. Truc que vous ne faites pas. Si je prends votre propre chaîne YouTube, vous allez voir votre propre vidéo sur votre téléphone, trouvez-moi les commentaires de la vidéo et trouvez-moi le premier commentaire et dites-moi ce qui est le plus... Le commentaire d'une personne extérieure, très bonne vidéo, gnagnagna, pouce bleu, tu es trop génial à la minute 38 et surtout le connard, t'as dit une connerie à 7 minutes 28. Et voyez ce qui est le plus simple à trouver sur un téléphone. Les commentaires que vous avez remplis, vous, là où vous avez enfin de la liberté sur YouTube, vous pouvez nous faire un pavé grand comme ça, sur téléphone, en tout cas sur Android, donc qui est 82% du marché. Vous avez un petit triangle à droite que personne n'a jamais vu. Si tu cliques dessus, ça déplie ton pavé de texte que personne n'a envie de lire sur un téléphone. Tu le replies tout de suite et tu vas en bas lire là où ça clash. Là où c'est... Ouais, là, là, regarde comment il est fringué. Et du coup, le mec, pendant qu'il vous écoute sur smartphone en portrait, et qu'il a envie de faire autre chose quand même, parce qu'en portrait, il y a la moitié de l'écran où il peut faire autre chose, où il y a vos concurrents en vidéo proposés en dessous, les chatons qui dansent, tout ça, et le régime des stars. Il va quand même aller descendre voir les premières. Je suis sûr qu'il y a un mec qui dit qu'elle est habillée comme... Eh ben, le premier commentaire, il est de moi, pour moi-même, il est bienveillant, et il est commercial, et il est pensé, et il y a aussi mon mot-clé là. Et il n'y a pas « Alors, ma vidéo de 8 sur 32 de mon défi, on s'en fout. » Et mettez sous forme de questions pour en plus inciter les gens à vous mettre des commentaires. Tu fais « Alors, les huiles essentielles, on essaye quand ?» Il vaut mieux que le premier commentaire soit de vous, soit bienveillant et peut-être. Et si tu veux en savoir plus, tiens ma newsletter et pas « Ma newsletter, abonne-toi, mets-moi un commentaire. » Gardez le truc le plus important. Le portrait, j'y revenais tout à l'heure. Attention, quand on passe en portrait, ça coupe les côtés, ok? Ça, c'est tellement important que Samsung vient de sortir une télé comme ça, qui est pensée pour ça. Quand vous allez en événement, quand vous allez au cinéma, quand vous allez à la SNCF, il y a des télés en portrait partout. Si vous ne vous intéressez pas au portrait et que vous faites que du paysage, ou tout ce qui est important, c'est sur les côtés, commencez à centrer l'important, comme ça quand vous allez couper les côtés, l'important il sera déjà au milieu. Et croyez-moi que je vais commencer à y penser, maintenant qu'on s'attaque au portrait. Donc ça c'est un vrai sujet. Trouvez votre niche, encore une fois la niche, des fois en tech, c'est juste d'être un homme et une femme. Trouvez-moi une chaîne française où il y a un couple qui parle de tech. Il n'y en a qu'une. Wow. On les connaît. Créez-vous vos propres hashtags. Arrêtez d'utiliser ceux des autres sur la formation Instagram. On a dit de mettre entrepreneur. Mais entrepreneur, il y a 220 000 mecs quand tu cliques. Moi, tu cliques sur Diez Couple Geek, on est tout seul. Tu cliques sur Nounouille 4, il n'y a que mon chat. Faites du marketing de chat, ça marche bien. Ok? Donc, faites ça en couple, faites ça avec votre chien, faites ça avec votre chat, faites ça avec votre poisson rouge, faites ça par la déco derrière vous, faites ça dans votre style, faites ça dans votre humour, faites ça dans la durée. Distinguez-vous, arrêtez de copier vos modèles pour faire la même chose, vous ferez moins bien qu'eux, vous allez faire la même chose moins bien, donc personne ne va venir vous voir. Apportez de l'originalité. Les analytics, on pourrait y passer des heures et des heures à étudier les courbes, je vous ai fait la démo tout à l'heure, les phrases interdites, c'est intéressant, allez voir votre vidéo, votre meilleure vidéo, allez voir votre moins bonne vidéo pour vous. Déjà, vous allez voir que la moins bonne n'est pas celle que vous pensez. Et vous allez voir cette courbe sur YouTube, si vous avez déjà OGNU. Comment on fait pas ça, les 10 premières vidéos YouTube, on s'en fout complètement, ok? Quand vous commencez à avoir
pour avoir des vrais retours, il faut avoir 10, 20, 30 vidéos. Okay, allez voir les courbes, allez voir. Vous allez peut-être être étonné de découvrir que vous avez 50% d'hommes. Bah bon, c'est incroyable. Vous avez 25% de Belges. Ah bon, il va falloir arrêter de critiquer nos Nantes, etc. Vous avez 50% du Maghreb. À un moment, faites-leur un coucou quand vous faites un live. Tu fais, hey, tiens, je vais en Algérie cet été, c'était trop génial. J'ai 20% du Maghreb. Faites-leur un appel d'air communautaire derrière. C'est intéressant, les stats. Le lien magique Bit.ly, je l'ai déjà expliqué sur le groupe Blogueur Pro. Si vous êtes en dessous des 100 abonnés, arrêtez de partager votre chaîne YouTube avec youtube.com/YZ12B2Z6Y, parce que ça fait 10 ans qu'on explique aux gens qu'un lien comme ça, vaut mieux pas cliquer dessus. Il est possible d'avoir un lien assez court, un lien que vous pouvez donner à l'oral quand vous êtes en meet-up, quand vous êtes au resto. Si tu veux aller sur ma chaîne, alors il va commencer par cette horreur, bit.ly, bon ça s'apprend, bit.ly ça s'appelle, slash le nom de ma chaîne, slash huile essentielle, slash ce que vous voulez. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc si vous voulez faire juste pour votre week-end d'inscription pour venir ici, vous pouvez faire un slash change ta life, si c'est pas déjà pris. Change ta life ce dimanche, ça ne sera pas pris. Et ce sera sympa à mettre dans votre communication sur Facebook. Vous pouvez faire pareil, un titre événementiel, un lien événementiel. Et le top, en fait, c'est que si vous rajoutez le petit plus une fois que vous l'avez créé, vous aurez des statistiques, combien de personnes ont cliqué. C'est intégré au truc. Ça, faire ça, techniquement, c'est allez, 30 secondes la première fois, 20 secondes la deuxième, 5 secondes la troisième. Et ça fait que votre lien que vous avez mis sur Facebook, vous pouvez voir, il y a 3000 mecs qui ont cliqué, il y a 3 mecs qui sont venus. La page de vente, ça peut vous aider à apporter de la statistique sur des choses que vous pensiez impossible de mettre des chiffres dessus. Les liens playlist, très important, mais je vous ferai ça sur le groupe Facebook. Quand vous partagez une vidéo et que vous arrivez sur YouTube ou quand on la partage à votre insu, ça peut faire peur parce qu'on pense qu'un contenu ne peut pas être partagé et qu'il y a un bouton partagé. La colonne de droite, encore une fois, vous êtes en concurrence avec le chaton qui danse et le régime des stars. Il faut arriver à enfermer les gens dans votre écosystème de YouTube. Si vous avez 20 vidéos YouTube, ça serait bien que dans la colonne de droite, il n'y ait que vos vidéos à vous, pas le concurrent Norman, le chaton et le régime des stars. On sait faire. Ça s'appelle un lien de playlist. Les playlists sur YouTube, ce n'est pas une option. C'est une arme de vue massive. Tu vas arriver sur ma première vidéo, elle est t'es séduit, mais à moitié. Mais dans la colonne de droite, il y a ça, toi, plus ce sujet-là, ça m'intéresse vachement. Je clique, vous ne faites pas une vue, mais à ce moment-là, vous en faites deux, voire trois, voire quatre. Alors moi, je vais même plus loin, c'est que quand je partage cette vidéo à tel mec en privé, je vais régler une playlist que pour lui pour que la deuxième vidéo soit celle-là. Parce que c'est celle-là que je voulais qu'il voit, en fait. Les logiciels pour miniatures. Voilà, on n'a pas besoin de Photoshop pour faire des belles miniatures. Il y a plein d'outils gratuits, en ligne, sans installation, qu'on ait un Mac, qu'on ait un PC, qu'on ait une tablette, qu'on soit au bout du monde en voyage, en conférence, pour faire une miniature mieux que le au hasard qui est au milieu. Okay, si vous ne faites pas une couverture, ne vendez pas de livres. Vous allez à la Fnac, vous fermez les yeux au rayon livre, vous ouvrez les yeux, lequel je vois? Celui qui a du jaune, parce que le jaune est la première couleur que l'œil voit et que le dernier livre que j'ai acheté, pas pour lire, hein, pour faire le kéké, parce que c'est mon mentor qui a écrit la préface, il est jaune fluo. Et je me dis, ça c'est mon mentor. Le syndrome de l'imposteur, arrêtez avec ça. Je pense qu'on a deux autres experts qui vous en parleront. Dois-je faire un compte partout? Non, avec ce que je viens de dire. Allez sur celui qui vous plaît le plus, que vous maîtrisez le plus. Si vous faites tout en même temps, vous ferez tout mal, vous réussirez rien et vous abandonnerez. Donc, faites-en un et demi. Et à un moment, quand vous allez cartonner sur un, vous remplirez l'autre. Vase communicant. Eh, le concours, cette fois, je le fais pas là. Je le fais là, j'écris le compte hier. Prout, il va pas arriver au même niveau. Mais vous videz un YouTube dans un Instagram, c'est très facile. Deux chaînes YouTube, s'il n'y a pas de cohérence, s'il n'y a pas de cocon, s'il n'y a pas de but, moi, c'est le bordel sur ma chaîne. C'est pour ça que j'ai 10 000 abos. Et ouais, parce que là-bas, elle va m'arrêter sinon. Et c'est terrible. L'intérêt d'avoir un site web et une chaîne YouTube, je pense que vous en avez maintenant tous conscience, entre l'écrit et la vidéo, que c'est important de mailler les deux. Et deux chaînes YouTube, si vraiment une chaîne YouTube, c'est pas toutes mes passions, j'ai fait sur ma chaîne et je l'appelle la chaîne du divertissement et du financier et des huiles essentielles et des parties entre amis et mes vidéos de vacances. Ok, fais quatre chaînes. On peut arriver à mailler deux sujets qui, à la base, tout le monde pense qu'ils ne s'entendaient pas pour arriver à démontrer sur le long terme, mais c'est beaucoup plus de travail et d'énergie, qu'ils allaient ensemble et que j'avais raison depuis le début.
Et vous le verrez dans 3 ans pourquoi je suis crypto et tech sur mes t-shirts. Mais pour l'instant, c'est pas compris. Et même quand je mange avec des experts, ils me font « Sinon, pour la crypto, vous faites autre chose. » Et donc, en 2020, nous serons une agence de com complète. Nous aurons une seconde chaîne YouTube dédiée à l'entrepreneuriat avec une forte tonalité féminine. Venez me voir, on fera des interviews dans la joie, la bonne humeur. Et en plus, le début de l'interview, on le tournera à la fin. Donc, vous serez détendus. On va revenir sur Paris si quelqu'un nous donne la chance de pouvoir louer un appartement en étant entrepreneur, c'est-à-dire que c'est impossible, donc on se mettra sous le pont neuf. Quel plus vieux pont neuf. Voilà, j'ai plein de sacs à dos et choses comme ça. Et puis après, on attaquera l'international avec mon so British French accent. Et on aura une formation qui va être incubée sur Paris par la responsable produit qui est là-bas. Ma chef de projet formation qui sera sur la vidéo pour votre business sans prout-prout technique et compagnie où on s'emmerde avec de l'ingénieur informatique qui parle en franglais. Je sais faire aussi, hein, mais on rigole moins. Moi, je peux vous enseigner la technique en parlant de cuisine ou de jardin ou de ce que vous voulez. Je m'en fous, on change de sujet. Je regarde qu'à chez vous, vous me dites c'est quoi votre passion et puis je vous enseigne un truc très très chiant avec votre deuxième passion. Connex, ça me pose aucun problème. Il y a un bonus prédispo sur le site web landegeek.fr qui explique un peu tout ce qu'on va proposer. Niveau matériel, je ne suis pas encore repassé dessus. Donc contactez-moi si là vous étiez à deux doigts d'acheter votre caméra à 1000 balles. Ça vous évitera que je me foute de votre gueule le lendemain. C'est pas celle-là. Je t'avais 3 fois mieux pour la moitié du prix. Tu sais, je fais des vidéos comment payer sur Amazon toute l'année moins cher. Abonnez-vous, n'hésitez pas à m'écrire à manu@langdegeek.fr, tu l'as prié ce slide de fin. Hein. Et on se fait 1 heure gratuite ensemble au téléphone quand vous voulez pour votre chaîne YouTube, votre achat de caméra, comment gérer ses mots de passe. Je dois changer de box internet, mon téléphone me saoule, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Si vous saviez le nombre de cordes que j'ai à mon arc, j'ai un magasin de tir à l'arc. Merci de votre attention. 2h13, pas mal.